Salut à tous, c'est Antoine, c'est 56. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre et à la miniature, on se retrouve pour le tournoi, le premier tournoi du HMFC. Je vous rappelle que le club a été fait en 3 semaines, il y a 3 semaines, mais en 1 heure. Donc, il y a eu des nouvelles recrues, il va y avoir des nouvelles têtes. Donc voilà, là, on a voulu tester l'herbe parce qu'on va être principalement sur l'herbe en 6 contre 6, plus un remplaçant du coup, parce que. On a une personne qui peut être blessée, nous. Dans le tournoi, on a une personne qui est blessée et une autre qui est. Comment ? D'accord, j'ai entendu un bruit qui fait de l'asthme. Donc pour nous, ce sera 6 plus 1. Donc dans ce tournoi, vous allez retrouver toute l'équipe. Je ne vais pas filmer tous les matchs. Et je vais surtout filmer la fin des matchs. Vous allez voir comment ça va se passer pour la fin des matchs. En tout cas, j'espère qu'on va sortir loin. Qu'on va aller loin avec le club. On a des bons joueurs. Moi, je vais être milieu. Alors, je fais l'intro. On est le samedi du jour avant. Mais j'avais rien à faire. Je le fais le soir. Donc, voilà. Donc, on va voir ce que ça va faire. J'espère qu'on va bien, qu'on va avoir un tournoi et qu'il fera beau temps, pas trop chaud. On est bien organisé. Et puis, peut-être, je vais vous filmer avant le tournoi, pendant le tournoi et entraînement et les échauffements arrivés là-bas, ce qu'on mange, tout ça. Donc, voilà. Sur ce, ciao, et puis merci pour ceux qui like. Si vous voulez plus de vidéos avec le HMFC, likez. Là, j'essaie d'organiser des matchs. Vous allez dire, ouais, filme les entraînements. Non, je filme pas les entraînements pour un simple unique raison. J'ai pas envie que nos adversaires voient ce qu'on fait. Déjà, on a affronté en 2 vendredis la même équipe. La première fois, on n'était pas crevé. La deuxième fois, on était crevé parce que notre entraîneur nous a fait des bons entraînements, mais en même temps, c'est pour le tournoi. Donc, voilà. Fab, si tu passes par là, merci pour tout, en fait. Tu vois. Non, c'est pas un adieu. Hein. Merci pour tout. Les entraînements, tout ça, je fais l'intro. Ok. On est 2 jours avant le tournoi, mais ça va peut-être nous servir, tu vois. Tes entraînements vont peut-être nous servir. En fait, est-ce que tu termines la lucarne que je t'ai mis en tête? Est-ce que tu t'en es remis? Si oui, dis-moi dans les commentaires. Bref, sur ce, ciao, n'oubliez pas le like, le partage, d'aller voir mon Insta, mon Snap qui sont en description et ma page Facebook. Et sur ce, peace les gars. Gueule. Donc là, on est à Papou. On peut pas trop filmer, mais on va filmer. Je vais essayer de faire en sorte. Alors, on a une. Hey. Ouais. On a une de ces chattes, les gars, mais pas possible. Donne, hein, Mathis, on a une de ces chattes. Normalement, elle est juste encore coffre blanc, je sais pas. Ouais, mais on a une de ces chattes parce que. Vas-y, passe par plus, Alex. Normalement, il faut être 7. Et là, comme vous voyez, on est 4. Et on a. Il nous manquait un joueur. Ouais. En fait, c'est pas qu'il nous manquait un joueur, mais il y avait du monde en moins. Donc voilà. Ouais, attends. Là, on va s'entraîner un peu. Merde. On va s'entraîner un peu. Et puis, on se retrouve lors du premier match, les gars. Ou manger ou autre. Oh, ciao. Du coup, entraîneur, je suis là pour que l'équipe s'améliore, qu'il y ait une bonne entente et qu'on puisse déjà aller au maximum de notre capacité. Lui, parce que j'ai tendance à faire mal aux testicules avec un ballon et ça, c'est Mathis qui parle, voilà, capitaine numéro 2. Ouais, numéro 3, vous. Lui, c'est les remplaçants H24. Et me voilà. Donc, on était en tournoi. Ouais, on était en tournoi, on a donné le maximum. On a marqué juste un but sur 4 matchs. Et le but est décisif de Mathis Lera, s'il vous plaît. Et 3 matchs et on a perdu le tournoi. On a essayé que ça se passe le mieux. Il y avait des équipes avec du level, on a essayé. On a persévéré. Mais on revient en force. Le pire, Mathis, as-tu un message à passer aux autres qui sont pas venus? Vous êtes des enculés parce que genre, ça se fait pas, parce qu'on était une équipe, on était censé être là pour chacun. Pour moi, je trouvais ça ignoble à mon ballon. Récupère-le! Parce que pour moi, mon ballon restera mon ballon, c'est pas un jouet. Voilà, pour moi, on est une équipe et qu'une équipe doit rester soudée et que ça doit pas faire des faux plans comme ils font ces petits enculés. Parce que ce qu'on veut dire, c'est que en fait, on est arrivé, là on est à Papon, on va pas vous le cacher, on est à Papon. Et puis, vas-y, mais toi, vas-y, fais des ruptures pendant que je suis en vidéo, connard. Et puis, on arrive à Papon, ils viennent pas.
en mode ouais, on peut pas. Donc on a trouvé d'autres jeunes qu'on a pu on a demandé, puis ils ont accepté. Donc bah maintenant les gars, on envisage des tournois au City Stade, c'est ça? Ouais, non, même toi sur le stade, mais après plus tard, parce que sur ces shows. Ouais. Déjà, on commence déjà à avoir une équipe un peu plus soudée, collectif, bah avec une bonne entente, ouais. Et après on envisagera les lieux. Mais oui, bah voilà, moi après, j'estime que j'ai quand même mon mot à dire sur ça. Bon, les mecs, voilà, vous avez pas pu venir aujourd'hui, ok, même si c'était un gros tournoi, il fallait être là. Mais je veux dire, c'est pas que d'aujourd'hui que vous venez pas aux entraînements et aux matchs. Donc au bout d'un moment, les mecs, bah faut pas jouer en équipe, quoi. Surtout, c'est pas comme si c'était une équipe où t'étais quand même obligé tout le temps de venir. C'est pas l'équipe de France. C'est une équipe entre potes, et les équipes entre potes, bah il faut, voilà, il faut être là au maximum, même s'il y a des moments, voilà, on a tous une vie, je suis d'accord. Mais l'équipe en club, voilà, les joueurs de club sont pratiquement tout le temps là, voilà. Donc, aussi, j'ai pas pu filmer parce que, déjà, de 1, j'avais pas l'autorisation de tout le monde. De 2, j'avais laissé ma caméra dans le coffre d'un des gens qu'on a, avec qui on a joué. Donc, si vous voyez pas les matchs, vous inquiétez pas, mais je vais essayer de filmer un peu plus les entraînements ou plus les matchs. Puis voilà, et avec notre super goal. Ouais, entraîneur goal. Ouais. Notre. Il coûte en séduction aussi. Notre Cristiano Ronaldo de la merde. Non, je rigole. Notre Cristiano Ronaldo chauve. Ouais, et puis notre Cristiano Ronaldo. Autant poilu que Ronaldo. Autant poilu que Ronaldo. Et. Et le remplaçant qui dit ouais, faut pas faire ça alors qu'il était pas sur le terrain. C'est normal, on va pas dire de rentrer. Normal, c'était 6 plus 7. Et la prochaine fois, si tu veux déjà jouer et être meilleur, faut changer de maillot. Tu prends ton maillot de Paris, s'il te plaît, merci. Mais tu te tais, sinon tu joues pas. Sinon tu joues pas. Mais non, regardez. Hein, regardez, supporter, toi. Quoi? C'est bien d'avoir des supporters comme toi, tu vois, qui nous guident. Ouais, c'est ça, c'est bien. Merci d'être venu. Mais pas trop, mais pas trop. Ouais, merci. Ouais, merci d'être... Par contre, David Demers, tu joueras, mais... On donne un jeu de type de lac. De lac. 250. Non. 60 000, perso, je pense. 60 000. 50 55. 55, et puis on fera un match avec vous, les abonnés. Pour ? C'est pour ? Un match à 55 likes et on fait les abonnés ? On fait une grosse rencontre abonnés. Avec son TikTok, avec ma chaîne YouTube. Et on va à côté de la piscine et on va faire un putain de match. Et avec ses abonnés YouPorn. Avec ses abonnés l'autre fois là, où c'est parti. Avec ses abonnés, oui. YouPorn. En bref, sur ce. Mais Alexandre, tu veux savoir un truc? Ciao. Est-ce que c'est vrai que t'es sorti avec